Bonjour, je vous accueille pour ma première vidéo, donc je vais vous montrer un petit peu mon jardin. La particularité c'est que j'aime bien que ça soit un petit peu en 3D, donc voilà, je vous montre. Donc je vous montre les topinambours là, mélangés au mesclun, parce qu'il y en a qui vont dire que ça s'appelle du mesclun. Hop. Voilà, on fait le tour vite fait, mais elles sont un peu sèches, mais j'ai arrosé tout à l'heure. Ensuite, à côté, j'ai mis les œillets d'Inde avec les tomates. Là, il fait très chaud, hein, parce que là, on est le 10 juin, là. Et je suis en Saône-et-Loire, à côté de Mâcon. Hop. Voilà. On voit un peu mieux. Du coup, là, j'ai remis un pied de melon que j'ai récupéré de mes semis l'année dernière. Ensuite, les petits pois manchots. Je me suis fait un petit chapiteau là. Avec les bambous là que j'ai partout, là, regardez, hop. Si vous regardez, en fait, j'en ai partout, donc j'ai plus qu'à me servir, en fait. Donc après, cette idée vient pas de moi, hein. J'ai regardé sur Internet. Donc je me suis aidé d'Internet, hein. J'ai fait des trous, en fait, tout simplement. J'ai tendu des ficelles, et là, c'est en train de monter dessus, tout simplement. Donc là, pour l'instant, ils sont à allez, 40 cm. Voilà, donc là, du coup, j'ai mis quelques salades. Hein. J'avais essayé de mettre un pied de pastèque, mais en fait, il gratte un petit peu. Il est mort. C'est pas grave, on mettra autre chose. On mettra autre chose ailleurs. Donc voilà, sinon, après j'ai fait un paillage de radis, parce que je viens de récolter justement l'ail là, l'ail rose que j'ai mis l'automne dernier. Donc qui a bien pris, très bien pris même. Donc voilà, donc là je fais un paillage pour essayer d'alimenter un petit peu la terre. J'ai remis un peu quelques radis, on va dire. Donc là c'est un mélange hein, que j'ai mis, hein. On verra bien ce que ça donne. Donc du jaune, rouge, rond, long, on verra bien. Hop. Là, si vous voyez un petit peu, c'est mon autre rangée en fait de radis. On verra bien. Là, tout ce qui est, là, c'est courgette. Là. Donc, attendez. Donc là, j'ai fait avec le bambou, en fait. Logiquement, ça devrait monter dessus, hein. On verra bien. Et là, en face, j'ai mis les cornichons. Les cornichons qui commencent aussi à monter dessus. Après, on avance. On arrive aux courgettes. Les courgettes qui commencent à bien donner. D'ailleurs, j'ai commencé à avoir mes premiers fruits. J'ai mis des courgettes jaunes. Voilà. C'est la première fois que je le fais, on verra bien ce que ça donne. Donc là, j'ai enlevé tous les radis en fait, que j'avais tout à l'heure. Du coup, comme j'avais fait un mélange radis-carotte, bah, là, il ne reste que la carotte. Et c'est éclairci, il n'y a pas besoin d'éclaircir les carottes. Voilà. Ensuite, là, j'ai mélangé les pieds de melon avec les salades. Ils sont pas mal aussi. Là. Ça commence à bien venir. Là. Voilà. Ensuite, je vous montre les poivrons, piment, aubergine. Hop. Ça commence à pousser.
et mes grosses salades là que j'arrête pas d'en manger, franchement, et j'en donne partout parce que je peux pas contribuer. On est une famille de trois, mais c'est impossible. Il y en a trop à manger. Donc vous voyez, il y a un petit pied de tournesol là qui pousse au milieu. Là, on va le laisser. Là, j'ai ressemé, enfin j'ai repiqué des choux. Chou-fleur, il y en a partout. Pareil, je suis en train de les donner parce que j'en ai partout. Donc voilà, merci de mettre un petit like sur la première vidéo que j'ai faite. J'en ferai d'autres pour poursuivre en fait ma quête du jardin. Allez, bonne journée à vous. Ciao.